who can take over. Choka est là au Cap Takeover, dernière série d'interviews qu'il a fait matin. Hein. Et nous avons un panel assez chargé avec nous. Nous avons trois jeunes garçons qui sont trois jeunes garçons qui travaillent dans le Cap, dans trois institutions différentes. Mais pour pratiquement même objectif là, qui c'est bien sûr, et vous voyez au Cap monter. Moi, j'ai David Toussaint qui est dans le ministère de la Culture, il cite dans le Cap. Moi j'ai Nelson Deshommes qui est même dans mairie au Cap-Haïtien et puis j'ai Patrick Almonor qui est même dans comité 350 ans au Cap. Nous connaissons, ça veut parler tout le monde au Cap, c'est au Cap 2020 350 ans au Cap, ça veut dire au Cap ta supposé destination PAO année prochaine dans 365 au Cap venir sous vos convini puisque c'est pour un événement assez spécial. Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'émission. M'a quitté nous le soir rapidement pour individuellement présenter nous et puis pour nous capable entrer dans l'interview. Bonjour Karel, bonjour monsieur et m'a salué tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs tout show Karel. C'est un plaisir pour nous capable avec nous dans le show. Non pas moi, c'est David Toussaint, moi c'est actuel et directeur départemental et Nord, ministère culture et communication. Donc c'est avec plaisir nous allons faire parler sur Fête au Cap. Et nous la donne là, nous avons 59 ans. Et puis tout est sur initiative et prospection gagnée pour 350 ans qu'à venir là. Tout à fait. Forme. Bonsoir tout le monde, bonsoir Karel, bonsoir tout auditeur, auditrice et puis tout le monde qui a suivi Blaïsa. Bonsoir tout le monde Guadeloupe. Axel et qui a suivi Blaïsa. Axel Colonge, en fait bien suivre Karel. Et la vie d'Haïti oui soon, so il a débarqué au Cap sous ouais bien sûr. En fait non pas monsieur Nelson Deshommes, moi travaille dans Amérique Haïtien comme étant consultant et puis moi fais partie du service communication Amérique Haïtien. Donc c'est un plaisir pour que mon capable dans choix ensemble avec nous tous. Et puis pour que nous capable parler de au Cap et parler de Cap 2020. Tout à fait. Yes. Bonsoir, bonsoir Karel, bonsoir à toutes auditrices et auditeurs, bonsoir à tout le monde qui a suivi le Shoah. Et son plaisir, son honneur, le fait que moi j'ai la chance de participer dans le Shoah. Et moi là, moi censé c'est Patrick Almonor, moi censé secrétaire général Chambre de commerce. Et nous censé responsable unité de gestion des événements pour équipe 351. Nous là pour échanger, nous là pour parler de promotion, nous là de Ville au Cap. Nous là pour parler de tout rêve que nous avons pour que parce que pas oublier que 2020 c'est ça va le faire et 200 ans de la mort du roi. Oui. Et c'est aussi tout 350 ans de la ville du Cap. Nous connaissons comment Villa Lumière à tout le monde et son destination touristique. Et nous espérons que déjà nous sommes capables d'inviter tout le monde l'année prochaine pour rentrer au Cap. Voilà. On est on commence sous première question ça que moi posé nous. Qui ça vraiment représenté pour nous par rapport à la responsabilité que nous gagnons? Célébrer 350 ans et au Cap avec 200 ans du roi. Ouais, nous parlons de tout ça matin là avec tout le monde, nous focus sur 350 ans, mais nous pas nous oublier 200 ans. Ouais, Henri Christophe qui s'est pratiquement quitté gros Kokenchen monument ça pour nous et qui représente fierté christophienne et tout ça le représente dans l'histoire d'Haïti tout. Donc, son l'autre aspect dans la célébration l'année prochaine. Tout à fait, parce que vraiment, il y en a un qui est important au-delà de gens qui dit là, 350 ans, c'est intéressant parce que c'est ça qui fait que mairie en lui-même créé un comité 350, c'est parce que c'est Villa par 350 ans. Mais la mort Christophe, c'est 200 ans que depuis Christophe allait, mais Christophe a oublié son monde qui est international. Œuvre Christophe, pas même pour nous encore, pour nous au Cap, son monde est mondial. C'est-à-dire que et je dis à tout le monde a exploité. Et même République Dominicaine, récemment, qu'on a dit que c'est la Caillou. Et je
jodi a, m'pense que c'est son gros causé pour nous-mêmes, le fait que nous gagnons chance. Parce que je parle avec mon équipe grand passé, qui dit que les 300 villes t'a fêté, 300e villes t'a fêté, pas gagne grand chose qui t'est fait, à part en possession que l'église catholique t'est fait. Et je dis à Mounsa, presque 62 ans à peu près, plus de 50 ans après. Et nous-mêmes, comme jeunes, nous avons une chance d'arriver dans 350. Pour 50 ans après, vous ne pouvez pas dire que c'est ton position. Pour 50 ans après, Mounsa va le faire 400 ans, vous ne pouvez pas dire que nous pas de fin. Et ça, c'est pour nous-mêmes son responsabilité qui l'aude. Et ça fait nous engager comme citoyens, nous engager comme dans le secteur privé, pour nous garder comment, ensemble, avec tout Haïtien, surtout qui dans la diaspora, pour que nous fassions venir au Cap pour 200 ans là-bas et aussi 350 ans là. Je pense que c'est son gros responsabilité que lié et ça fait que nous avons vendu, nous avons cherché concours tout le monde qui est intéressé, qui voulait collaborer avec nous-mêmes pour que nous fassions 2020 en succès. Oui, tout à fait. Bon, en fait, pour la mairie, 350 ans et puis pour tout le monde au Cap, donc c'est un événement et c'est une responsabilité pour nous tous qui l'a aujourd'hui. Ça veut dire, ou te mette capois et capoise qui en Haïti ou bien qui à l'étranger qui a vivre au Cap ou bien qui a vivre dans l'autre département dans pays a ou même tout ou concerné, c'est peut-être ça mairie en lui-même il ouvre porte li bay tout monde toute petite ville là pour que yo capable collaborer ensemble pour que nous capable célébrer gros événement ça parce que gros événement ça li pas seulement une célébration et côté nous capable dit que c'est fête seulement que n'a fait mais gagner des jalons pour que gagner des infrastructures que nous capable mettre en place par exemple c'est vrai et pour 348 et 48e dans Mérès Yves Pierre il était parlé de obligation qui gagner dans occasion 200 ans pour capable lever deux marchés qui gagnent dans centre-ville là, mais ça lui-même c'est une obligation liée et c'est nous tous ensemble, que ce soit conseil municipal actuel là et l'autre membre qui gagne dans le gouvernement pour que nous capable et vraiment nous travailler ensemble pour que nous capable retirer deux marchés ça qui dans centre-ville au Cap qui tout le temps a posé problème. Donc ça c'est un défi, c'est vrai on a parlé de 350 ans et 200 ans, mais c'est pas sous plan seulement réaliser des activités culturelles, mais faut que nous mettions des jalons. Jean que gagne un projet pour que nous capable et prolonger boulevard là, ça veut dire c'est rêve toute capoie pour que nous rêver nous ressusciter boulevard là. Il dit nous gagne gros richesse ça pour que nous capable mieux exploiter. Donc parler de 350 ans de 200 ans c'est bien, mais en nous well tout sur le plan infrastructure pour développement ville au Cap. Faut que tout le monde nous capable impliquer, que ce soit ou dans l'opposition, que ce soit ou au niveau du pouvoir et ou dans pouvoir même. Donc c'est ça fait que c'est nous toutes qui vous mettez main ensemble, que ce soit petite ville là, que ce soit l'autre monde qui a vivre l'autre côté pour qu'il soit capable de contribuer pour réussir des belles fêtes ça. Tout à fait. David. Ok, très bien. Alors on est d'accord que le Nord réputé pour variété riche et patrimoine et culturel que le gain. Et faut dire on a monde qui marqué ça c'est Christophe par rapport à ça qui était pour nous comme patrimoine immatériel bien sûr. Mais faut dire tout que pour 200 ans ça et 350 ans non seulement et ministère culture et communication souhaitait mettre patrimoine ça en valeur mais c'est comment nous capable faire de destination là en réelle destination. Et c'est dans mettre en valeur mettre patrimoine ça en valeur que n'a privé justement attirer ensemble de touristes que ce soit locaux ou étrangers qui peuvent venir visiter ces culturels nous. Et au Cap pour ne pas dire Nolan et dans pays en général gagner plus patrimoine bâti que tout autre côté. Et il y a un manquement qui gagne c'est par exemple une synchronisation ça entre tout acteurs pour permettre que ce soit dans le privé ou le public que nous capables prendre contrôle et rendre accessible, c'est-à-dire mettre en valeur pour monde venir visiter. Donc pense que 2020 et c'est un focus pour que tout acteur met tête ensemble pour nous dire mais part de responsabilité chaque monde pour que site culturel nous cap prendre contrôle lui mettre en valeur et permettre que développement économique que n'a parlé là il capable passer par identité vendre identité culturelle nous vendre patrimoine culturel que nous gagnons. D'accord, on a qui point que nous connaissons là, on va le fêter et 349 ans et nous avons une discussion hier c'était avec Alessandro, on pas qu'on avec qui est et côté que vous avez dit que nous voulons vraiment date là, il y a des monde cap garder là cap mandé date là que date là coïncide avec 15 août là. Même pas quoi c'est à 15 août que ville a été fondée exactement. Ouais, ça va me faire discussion justement. Parlez-nous de ça. Ça veut dire est-ce que son célébration qu'a aller autour de 15 août là
puisque justement nous connaissons fait patronal. Moi-même, pour moi-même, c'est ça qui fait patronal là, même j'ai moi-même pas de paix, c'est 8 décembre qui fait patronal là, même certains que Villa créé non l'autre date ou bien non l'autre période. Qui s'allie pour au Cap exactement? Alors, pour moi, c'est toute une année de célébration, mm-hmm. et ça ne prévoit. Mm-hmm. Mais réelle date qu'une célébrée ville là, c'est 15 août. Mm-hmm. Mais maintenant, et pour 2020, comme nous prétendons que avons un ensemble d'activités qui mélangeaient entre date nationale, on dit date nationale, on parlait de 18 novembre, nous parlait de carnaval, nous parlait de 18 mai, ensemble de dates nationales qui doivent célébrer. Mm-hmm. Donc nous voulons célébrer date nationale en grande pompe et ouvrir, nous avons dit année pour tout opérateur et privé, pour si vous avez une festivité, un festival, un foire que vous voulez faire dans l'occasion. Vous entrez dans le programme. Vous entrez dans le programme, non, mais sous les belles. Et la mairie 350 avec comité 350 avec opérateur qui est dans l'organisation. Donc c'est tout, c'est comme si on va chercher une franchise pour une fois activité sous 2020. Oui, oui. Donc, mais de fait, il y a un canevas déjà bien établi par rapport à ça, nous présupposons. Oui, pour ne pas gagner répétition, exactement, duplication et puis exactement, bien sûr cacophonie dans le message que nous voulons passer. Donc je pense que Patrick il peut être parlé sur ça. Patrick est un événement. Donc, ça me dit, c'est que nous avons 7 ans fort. Autour de 2020, que nous pouvons vendre. Parce que ce qui est important pour nous-mêmes, ça nous veut vendre, c'est faire comparaison de destination. Par exemple, un événement pareil qu'on fait là, nous connaissons l'année prochaine, si on a là, on a déjà mis dans la line-up. Oui, mettez là parce que nous avons l'autre pour lui. Nous avons besoin de date là, nous avons besoin de qui côté dans l'espace qu'on fait là, combien de jours on fait, et puis mettez-le dans le calendrier. Parce que nous avons calendrier. Non, nous faisons sortir là. Nous ne sommes pas arrêtés là. Ça ne vient pas. Nous avons tourné là, dans 350, non, mais 350, on va aller de l'autre côté. Ça me dit, c'est que nous avons un peu pour et j'en dis là, 7 ans fort. C'est que ça n'a pas cherché, c'est que 1er janvier, c'est lancement. Côté que nous avons gagné 1er jusqu'au 5 janvier, on a fait événement. Parce que les, sans besoin de vendre, c'est que les tours, diaspora dehors, les jeunes calendriers, ils connaissent la première vacances. Quoi qu'il est pour le prendre par rapport à ça. Il y a tel événement que nous aimons, il y a période de janvier, on a lancé les parades, tout ça, et puis nous y entrer. Deuxième temps, fort nous gagner, c'est carnaval là. Carnaval, bon, il a annoncé carnaval national au Cap. Au Cap, oui. Et pas oublier que nous, même carnaval national là, nous gagnons un carnaval que qui. Nous-mêmes, c'est nous qui vivons avec, c'est dans le carnaval des étudiants. Que l'année pour 2020, nous désirons un carnaval international des étudiants. Nice. Côté que nous avons pile pays de la Caraïbe qui fait carnaval. Intéressant. Que nous avons commencé à écrire le travail. Invitez-vous, venez au carnaval Haïti. Nous avons un carnaval international des étudiants. Belle bagaille. Y compris le carnaval national là qui est assez intéressant. Belle bagaille. Nous avons une période qui fait tous ces packs, lorsque nous carnaval là. Qu'on est là, on a regardé qui s'en a fait comme festival gospel, tout ça qui a attiré autour de période Pâques là, tout ça qui a créé comme événement pour attirer. Nous avons là, automatiquement nous finissons dans Pâques, nous entrons dans la fête dans la période et ça a fait la fête là même. Parce que pas oublier que le Nord est donc capaïsien. Il y a plus champêtre. C'est-à-dire, il y a un bagage qu'on a fait promotion pour lui-même, c'est fête champêtre là, qui sont destination et côté que en pile haïtien, diaspora, pas négocié. C'est-à-dire que je dis à hôtel au Cap est presque plein, vite tout plein, parce que dans la période, ça, c'est la période d'Agadi, côté que opérateur qui n'a question hôtelier, eux-mêmes, ils jouent. C'est la période qui est plus intéressante pour eux-mêmes, parce que diaspora, de toute façon, a venu. C'est-à-dire que nous avons tout un challenge de juin jusqu'à septembre, nous avons les périodes, c'est la période champêtre, côté nous avons créé activité autour de lui-même pour attirer les gens qui viennent au Cap. Pas seulement au Cap, mais le fait qu'ils viennent au Cap, ou bien poste comme capital et département, parce que quand l'or cap haïtien, on a possibilité pour faire 5 départements en même temps. Ça veut dire que ou bien possibilité pour aller limonade, pour aller un balin, un ensemble de produits touristiques qu'on cap visiter, dès qu'on vient au Cap. On a créé ça comme ça. Et nous avons 8 octobre, automatiquement, on va entrer dans 8 octobre, qui c'est quoi faire 200 ans de la mort. Nous avons toute une période, toute une semaine que nous prenons, du 1er au 10 octobre, pour commémorer et ça nous a révélé la mort et du roi. Nous avons 17 novembre, et nous avons autour de l'événement événement. Et nous avons le 17 novembre. C'est 17 novembre. C'est 17 novembre, autour du 18 novembre, 17-18 novembre, nous avons fait l'événement. Et nous avons décembre que nous avons déclaré comme moi, qu'a fini, qu'a fin l'événement, que nous avons créé l'événement avant tout. Ça va veut dire que nous avons fait événement pendant chaque jour. Mais tous les week-ends, nous avons un boulevard qui est assez intéressant que nous avons créé événement ça autour. Grand boulevard dans la zone piétonne. Que chaque week-end, nous créons événement pour jeunes, pour samedi, autant qu'on fait là,
parce que c'est cette période ça va venir nous n'a pas chida avec opérateur pour nous vendre pour que effectivement que nous permettre que en plus le monde voilà on compte gagner nous tous les trois parce que ou même on a environnement c'est la coordination ou même dans la mairie et autour parler de infrastructure tout à l'heure ou même on a la culture avec et communication qui rend un panel intéressant mais toute anticipation ça que n'a créé et parce que là j'aime dou la monde qui est en dit a vini nous ouais que quelque chose ça qui vient au cap depuis l'ancienne invitation monde vini la donne et nous pral vraiment des célébrations grandioses par rapport à ça. Vous voulez parler de la mairie, est-ce que pour les infrastructurels que nous connaît que gain là même si moi que n'a travail et solide et pour yo nous pensons que y a gain résoudre pour ça. Pour qui ça me dit ça, c'est parce que moi j'ai un document qui était venu jeune moi pour moi même qui était idéal qui c'était justement vision pour 350 ans. Tellement ouais bagaille là idéal dit mais ça mi ou quoi d'ap kafel bon problème politique et bloquer tout pays là c'est pas au cap seulement bloquer tout pays là c'est que ça retarde nous sur quelques projets que n'a fait. Est-ce que des bagaille clé ou tu parler de marché autre que ça que nous voulons annoncer qui c'est des projets en cours ou bien des bails que nous vraiment voulons faire pour 365 ans et pour 350 ans non. Pour 350 ans projet assez et documents à côté ouais ça veut dire c'est nous voulons prendre cap haïtien et nous voulons prendre 350 ans comme un point de départ pour que nous capable dire désormais nous gagnons un projet dans maintenant nous gagnons un plan dans maintenant nous dit d'a démarrer à partir de là a dit gagnons ensemble de bagages que nous voulons faire. Nous sommes parlé de démarcher, nous sommes parlé et nous avons parlé de construction de sites de décharge qui posait problème là. Ça veut dire ça c'est une obligation pour que parce que c'est pas grave ça. Ok, c'est pas au cap seulement le bal servir mais le bal servir tout le département. Donc et traçage ou bien marquage des rues et dans la ville là, il faut que nous capables de refaire ça yo. Et ravalement des façades. Donc de même, il y a une réunion pour participer sur ça pour que il y ait un ensemble de architecture, ancienne architecture qui gagne dans la ville là pour que nous capable revaloriser et faire ravalement façade ça pour que nous capable permettre que les touristes ça lui-même les rentrer, a dit nous créer n'a dit un couloir touristique qui permette que moun yo capable voir ancienne architecture ville là nous-même nous kembel. Donc l'idéal pour nous c'est que nous capable arriver dans déplacer des marchés dans ville là. C'est ça qui est l'idéal là pour nous. Est-ce que et pendant 2020 n'a pas gain temps démarrer, n'a pas gain temps arriver là-dedans, je pas sûr. Mais ça veut dire c'est pour ça nous aboumer, c'est pour ça n'a demander tout acteur pour que capable mettre main ensemble avec la mairie pour que nous capable river et lever deux marchés dans ville là et c'est vrai que le président de la République là et le 15 août l'année dernière, il était promet ça. Donc nous rete quoi que gain possibilité encore même si nous pas lever tout de marché mais au moins gain youn nan yo nous capable arriver lever dans centre-ville historique cap haïtien. Donc me penser que avec la volonté avec la participation de tout le monde on peut y arriver. Tout à fait. Quand je s'ajouter par rapport à Sanderson de parler là c'est que me penser que pour nous même 2020 son prétexte que lié c'est que nous aller à l'horizon de 2030 2040 2050 c'est à dire que pas jodia et son point de départ 2020 pour aller pour nous mêmes ne pas gain cependant dans document que nous gain avec dans nouveau 350 gain ensemble de projets d'infrastructure nous estimer que à court terme à moyen et long terme qui capable faire c'est à dire que des projets à court terme pour centre ville historique hein, qui assez intéressant que nous proposer et là encore nous proposer à la mairie pour garder comment nous capable réaliser et parce que ça encore je dis là c'est ensemble pour nous faire là pour Nelson se dit là et nous va le travailler tout pour nous garder avec que ce soit avec sénateur que ce soit avec parce que ça demande des budgets et c'est wall aime parce que qui est assez intéressant pour nous avec parlementaire noyo pour nous discuter que ce soit député pour nous garder comment parce que ensemble de projets ça Myriam a besoin plus force plus bois pour que yo budgétiser et 350 là en dans budget national là pour que au moins et là c'est concours parlementaire on a besoin pour permettre que au moins nous connaît ça on dans budget yo capable faire c'est pas dans 10 seulement mais faut que budgétiser et ceci dans budget et qui parle national bien content que dit ça il a ça c'est question pour nous même nous toutes à travailler avec dans des structures étatiques mais on connaît que et ça sont l'autre gros problème encore que tout pays a gagné causé décentralisation capable gagner en pile gros volonté capable gagner gros motivation au niveau local et bien sûr l'état central là lui-même c'est pas ça qui intéresse l'autre activité et comment nous ouais motivation peut-être l'état central là on dit par exemple le ministère de la culture en général ou bien ministère et intérieur ou bien pas connait monde qui peut-être porte au presse est-ce que vous gagnez sous ça pour que mouvement qu'a fait boys là paraît ton mouvement
même si nous avons réalisé le bouc en douille, mais quand même, nous avons besoin de support et l'État central. Là. Comment nous avons et motivation de l'État central à cause de ça? Alors, il faut me dire que depuis en fait, année en haut, 2016-2017, depuis sur le budget 16-17, là, donc c'est le dernier budget que nous avons dérivé passé. Et le président de la République a mis en priorité sur nous. Et ceci à travers le ministre de la Culture. Nous, à l'époque, côté que l'IT dit tout projet qui a rapport avec nous doit en priorité en dedans, que ce soit le ministère de la Culture que moi connais et tourisme également. Donc, et c'est pour dire que volontaire était toujours là. Malheureusement, en pile la turbulence politique fait que nous passons un an là, nous pas arrivé justement et qu'il y a un gouvernement en place et non plus. Nous pas arrivé à passer aucun budget au niveau du Parlement. Donc, ça, c'est un handicap. Et je pense que si nous avons plus gros défi que 2020 capable de confronter à lui, c'est ça. Si nous pas arrivé justement passer un budget à Nissa, et pour que en dedans il capable bien des une ligne pour 350 et pour en dedans chaque ministère qui concerne capable bien des priorités claires et définies par rapport à projet que nous-mêmes. Parce que ça doit être clair. C'est pas que vous venez proposer nous certaines activités, mais c'est des activités nous-mêmes que nous-mêmes localement nous proposer et qui que la population implique là-dedans pour que il y ait un budget qui pour accompagner la mairie et qui soit une instance locale qui est capable de porter fond tout. Si nous n'arrivons pas à ce budget ça pour que 350 soit capable de réussir, nous avons un gros défi devant nous pour nous capable arriver et passer une belle année 2020. Tout à fait. Donc, il faut me dire que. Et c'est là tout que nous faisons appel à secteur privé. Hein. Et le même secteur privé, je ne vais pas parler de et c'est là qui parle institutionnellement. Nous connaissons que le secteur privé a lié plus nan et par rapport au fait que l'entreprise qui est dans la capitale pour le prince gagne plus de force économiquement. Donc tout autant que vous êtes capable même pour appuyer à ce qu'a fait au cap, et ça aide nous et réaliser de plus gros événements si toutefois nous pas arrivé et sortir dans la période de turbulence que nous avons et sur le plan gouvernemental politique. Tout à fait bien. Donc, voilà qu'on y a et nous j'aime nous l'entrée anticipation moi-même mon a dit forme vino cap etc. Comment nous sentir que et population secteur privé bon ici là tout et accueilli initiative là nous certain que nous avons des réunions que nous faisons avec eux et qui implication eux comment ça va le passer bon. Effectivement, ça n'avait essayé de faire parce que son magasin nous voulait faire pour que il soit inclusif. Nous rencontrons avec tout secteur, que ce soit un monde qui bon, nous rencontrons directement avec le secteur privé des affaires, de manière formelle, mais individuellement nous rencontrons. Nous rencontrons avec secteur et monde qui n'a qu'un secteur populaire, secteur populaire politique, que ce soit un monde pour pouvoir, que ce soit un monde contre pouvoir. Parce que 350 là, il y a deux là. Non, il n'y a pas rien de politique là. Il n'y a pas rien de politique. Il n'y a pas rien de politique. Il n'y a pas d'adoué ça. Il n'y a pas d'adoué politique. Et si on n'y a pas rien de 20 au niveau 350 là, pour que tout le monde chita sous table là. Il n'y a pas besoin qu'on ait, quel que soit un monde, si son diable, depuis ma parole de 350. C'est fait la carrière où nous habitons. Nous habitons dans le même cas là, bizarrement, même si nous pas bien une à l'autre. Maintenant, le travail essentiel qu'il a fait là. Pour nous rencontrer avec tout secteur, que ce soit Petro Challenge, nous chitons avec eux, nous discutons avec eux pour nous dire, Anis, quand vient là, c'est 350 villes, là, il faut nous collaborer, qui ça nous a fait, qui programme nous voulons, qui ça nous voulons faire ensemble. C'est-à-dire que pour nous prendre doléances, tout le monde, parce que le document nous va le sortir, nous voulons assurer que toute couche confondue reflète en dedans document. C'est pour ne pas dire que nous défendons un petit clan, un petit groupe, ça c'est un secteur privé. Pour nous ne pas sortir par là dedans tout, que vous mettez à côté. Nous demandons chaque monde et nous allons lancer un autre pour que nous demandions tout le monde qui a un projet. Qui t'a rien fait pour 2020, pour y'a pour ton document pour nous-mêmes, pour que nous travaillions ensemble, pour nous garder. Est-ce que le document est intéressant pour nous homologuer le document ça? Pour que nous ne disions pas dit que nous pas dire ça. Il n'a pas le rendu public. D'ailleurs, nous avons deux sites web qui sont en construction. Nous avons un site web que le ministère Tourisme travaille pour nous-mêmes, qui c'est www.cap2020.ht. Et nous-mêmes, comme 350, nous travaillons sur un site web, tout c'est www.cap350.com. Ça veut dire que deux sites, nous sommes capables de challenge, l'un sous l'autre, ou capables de soumettre l'autre. Mais qui parlent de vendre tout ça, et qui parlent permettre que les gens, et tout produit, tout ça, comme produit, il y a sous les mêmes, on peut acheter Maro, on peut acheter sous moi, on peut joindre pour acheter. Ça veut dire que bon ensemble de produits qui sont liés avec. Et nous allons inviter tout, nous allons inviter un entrepreneur qui voulait faire un produit, par exemple, ou du vin ou faire, ou d'avoir du vin et 350, ou voulait faire du vin 20-20. C'est-à-dire que nous permettons tout, nous avons un logo, nous homologuer le pour nous, nous avons autorisation, nous avons accès pour vendre. Et je pense que tout le monde va l'intéresser qui est un produit artisanal. Je pense que tout ce travail ça a essayé de faire pour nous faire inclusif, pour que fête là les mêmes, il n'y a pas qu'on faire des malheurs ou des gens en bas, mais sont faits pour que tout le monde entre là-dedans ensemble pour nous faire 2020. Tout à fait, très intéressant. Tu l'ajoutes, non? Bon, au fait,
bien sûr, ma base dans la gare. Et moi, après compléter Patrick par rapport au fait que espace n'a pas été créé pour entrepreneurs et surtout monde qui est dans le domaine artisanal, parce que le plus souvent, yo senti un peu exclu dans genre d'activité ça. Yo. Et c'est un appel que nous faisons. Et moi remercie Karel pour Dakadi ouverture ça comme nous et déjà à partir de Nabral même je dis nous lancer ça déjà pour que monde qui a un projet monde qui a envie vienne investir dans 350 dans Cap 2020 est capable déjà commencer et contacter et que soit la mairie ou bien comité à dans bureau rue 18 là parce que de fait pas arrêter temps encore nous sens c'est là dans mi-temps mois août. Si nous sommes d'accord que la première grande activité n'a bien c'est carnaval qui est supposé tomber entre février ou bien mars. Donc, pas été temps encore en termes de planification. Donc, nous juste été nos 2 mois. Et 2 mois, c'est 2 jours pour aller très rapide. Donc, appel à lancer pour tous les jeunes entrepreneurs, et que ce soit dans le domaine coréen, dans le domaine d'activité coréen, pour que nous soyons capables de venir proposer projets, proposer activités culturelles coréennes. Pour ensemble, nous travaillons et sortir à une programmation complète et intégrée pour faciliter que 2020 soit une année qui complète et réussie. Tout à fait, pas de problème. Monsieur, je vous souhaite de bon succès. De toute façon, après, ouais, encore, puisque vous allez évoluer. Je vais bien aimer l'annoncement 1er janvier et puis garder ouais, comment moi-même je suis capable de supporter et toute activité et qu'a fait l'année prochaine. Ben c'est que personnellement on m'a invité le 1er janvier à un lancement voilà parce que et déjà et même pour et 2019 là on a fait et 199 année depuis Christophe perdu dans un gros événement tout pour moi et Calvin là pour moi octobre Calvin là on a fait un week-end de d'événement qui a passé intéressant pour nous déjà pour nous mettre focus. Et c'est ça qui parle venir et 2020. Et je pense que encore son opportunité, parce que l'événement pour moi-même, là, c'est son opportunité. Opportunité économique pour un pile jeune garçon, jeune femme, comprendre. Ça veut dire qu'on va faire quoi. Parce que ce n'est pas seulement plein parler, mais un événement qu'on s'est fait au Cap, je dis, c'est le moment pour innover. Pourquoi on va faire quoi? Je dis, ou innover dans ça pour faire ça. Ou par contre, on ne peut pas l'entrer dans qui ça vaut, bon, qui ça on ne peut pas l'entrer dans le business. Ouais, ouais, ouais. Mais par exemple, il y a des gens qui comprennent ce concept-là, qui sortent par le prince, qui ont une période assez intéressante comme ça, côté que on focus sur le cap, essayer de déplacer et l'émission vient faire. Mais nous besoin plus jeunes comme ça, pour que pour moi-même, puis sortir chaîne qui est mentale, pour que vous compreniez qu'ils sont événements, puis vous faire quoi, c'est pas seulement politique intéressant, mais en pensant à l'autre gens, comment. Jeune dit là et sorti chaîne c'est vrai que chaîne et font bagarre qui réunit tout le monde et qui est inclusif tout le monde qui est inclusif pour que ou capable faire quoi pendant ou aider l'autre jeune pareil ou faire quoi tout à fait parce que ces messages pour moi même devait lancer pour que déjà il y a une possibilité pour que pour 2020 grand pile jeune qui fait quoi convertir chambre caillou en chambre haute bien sûr parce que et je pense que c'est ça tout ça parce que on a parlé de ça créer des produits créer des événements connecter sur des bagages exactement pour que nous garder pas plein. Il y a plusieurs aspects qu'on apprend, culturel, et touristique et historique. Tout à fait. Il faut que les jeunes suspendent plein. Moi-même, je fais promotion à l'entrepreneuriat depuis plus de 15 ans pour que montre les jeunes nécessité de former pour que ouvrent les yeux sur la question de business. Et c'est ça qui a fait réussir. Voilà. Bon, gros opportunité là, au Cap du bienvenue déjà. Réussite 2021, il n'y a pas dépend seulement du comité 350e, il n'y a pas dépend seulement de la mairie. Et il ne dépend pas seulement du ministère de la Culture, donc avec David Toussaint, mais il dépend de l'implication de chaque grand monde qui gagne dans le département. Donc chaque grand citoyen, citoyenne qui gagne dans le département Nord, là, et chaque grand citoyen, citoyenne qui vit dans la ville au Cap, et ça qui vit à l'étranger. Réussite 2020, il dépend de nous, chaque de nous toutes. Donc c'est nous toutes qui pouvons protocoler pour que, dès qu'il y a parlé de Ocap, dès qu'il y a parlé de fierté christophienne, pour que nous toutes nous sentions nous concernés. Et les gens qui sont dans l'entreprise, les gens qui sont dans le business, yo, donc nous-mêmes qui voulons venir investir au Cap, donc occasion 2020, lui-même lui présenter, c'est une occasion qui est capable de faire un pile business. Donc il faut que vous capable de saisir l'opportunité que 2020 lui offrira pour que vous-même vous capable de faire plus et plus l'argent, plus scope, et comme ça, gagner plus l'argent qui a brassé dans l'économie pays. Non. Merci. Tout à fait. Voilà. Très bien. Comme nous connaissons déjà, et 2020 son célébration qui est éminemment culturelle sur tout aspect, et que ce soit dans l'activité, mais tout, et villa, nous parlons de centre-ville historique et culturel. Donc, et fête, et Wa Christophe, qui c'est un Dakadi, nous avons considéré.
tout ça à Christophe, on a chaque élément ça comme étant un PC, un patrimoine culturel, immatériel et matériel des fois par rapport à ça qu'il fait, ça qu'il quitte en termes de patrimoine bâti. Donc, ministère culture et communication, et nan cause ya, et c'est tout un droit, c'est tout à fait normal que le ministère là participe pleinement dans chaque activité, pour dire dans toute activité. Yo. Et sauf nappement des populations, implication yo nan, et que ce soit vin investi mais implication autour dans participation et m'daka dit paisible on nous garder comment t'a fait 2020 passer pire en paix que possible et moins turbulence. Et c'est vrai que nous exiger en pile de politique là, mais on garder comment nous ca vendre notre destination et sous 2000 nous ca toujours revendiquer mais n'a protéger ça gain, ça veut dire c'est important. Et moi crois que c'est mentalité ça pour nous vendre, ça veut dire au cap là capable vraiment si célébration bien faite et participation tout le monde capable vraiment très important pour l'économie hein. Ça veut dire pendant Tikob va rentrer ou va revendiquer mais ou pas craser bon ici là pour Tikob là va rentrer. Je pense que c'est mentalité ça pour nous gagner pour que lui même lui fait. Et puis surtout si sont fait tout qui capable réunir nous ensemble pour nous réfléchir pour un bien commun et li bon parce que chaque pour la revendication par eux et puis pour bien commun on va mettre ensemble pour travailler pour lui. Donc idéalisme, mais c'est déjà supposé peut-être comme ça. Non, pas idéaliste, c'est ça d'adouiller. Et bien, c'est pour ça, faut que nous-mêmes qui avons changé, je dis, nous avons micro pour nous parler et nous capables d'expliquer mon yo ça. Parce que y a un plus gros dilemme qui vient, c'est que c'est mauvaise communication. C'est comment motiver ou mobiliser pour mon capitaine de yo. Si mobiliser ou bien, ou expliquer ou bien, ou démontrer mes routes là côté lié, et même penser ben, même tout capable de suivre. Donc, il faut souvent communication que fait yo pas fait dans le bon sens là. Donc, ben, c'est ça, dit, hein, tout à fait normal et clair. Et c'est dans ce sens que supposé et abonder justement 2021 pour faire une intégration sociale et plus ou moins paisible pour que nous sentir que 2021 c'est intérêt pas lié, pas yon, aucun intérêt ou gain pour y aller casser brisé pendant l'année ça. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur. Bon succès et puis n'a croisons l'autre là. Merci. Okay. Parfait. Merci. Bien. Voilà, dernière interview nous pour aujourd'hui. Hein, et rendez-vous demain, non, rendez-vous plus tard et pour causerie qu'on a fait justement dans la cour. Nous charger, on a fatigué, on a tué, pas un problème. Et causerie qu'on a fait dans la cour Alliance, si vous êtes capable ou capable toujours venir, c'est à partir de 6h, 7h, on dit 7h, 6h. Qui l'a invité, mon Dieu? 6h? 6h, à partir de 6h du soir, on a dans Alliance pour une causerie qui a commencé à 7h. Voilà, il fait sens. Mais vini, et puisque nous voulons commencer on time, c'est des causes justement qui continuent sous conversation sur ce qui a passé au Cap. Nous avons parlé de tourisme, d'histoire, de musique. Nous avons parlé tout de investissement, d'entrepreneuriat. Donc, venez avec nous, venez jouer nous là, à Soya, à partir de 6h, dans Alliance Française qui est dans la rue 15B. Et c'est normal. Et puis demain matin, on va continuer avec ces interviews avec notre invité encore que nous gagnons qui dans la ville au Cap. Au Cap, t'es couvert à ça que lié. Et nous là, dans le cadre d'inauguration MSC Grand Nord qui a fait le 15, grâce à Tectagraphic, Access IT qui met nos internet pour nous fonctionner. Groupe Sojibank avec King Ocean Services, Centre Impact avec tout l'autre monde qui accueille nous ici. Moun qui bon manger, moun qui bon dormir. Nous pas gagner oulibla non on a cherché oulibla toujours et moun ki bonne toute qualité bagaille avec Alex Française qui a accueilli nous ici. Ben c'est tout pour nous d'a croiser pita avec demain.